Mais qu'ils y vendent tous ces dindons là? Mais wesh, il y en a 3. 3? 4? Il y en a combien de vie? J'ai 158, ok. Non, mais ça marche pas. Rien, attends. Alors, citoyen, portefeuille, c'est. Ça va mon gros, ça va mon gros, allez viens. Du coup, mais ça c'est ouais. Du coup, une grève du médecins BU, s'il te plaît. en serre font grève pour exiger des salaires dignes, le respect de leur engagement et la fin des agressions gratuites. Voilà. Alors, ça, je suis bien Ils ont d'accord pas une avec agression vous. gratuite, peut-être? Bah, Je suis bien oui, d'accord avec peut-être, t'as vous. raison. Vous avez une médecin, je sais plus d'où elle vient, d'où elle a un accent un peu latino, je ne sais plus c'est qui. À chaque fois qu'elle se fait agresser, on a toujours intervenu, n'importe qui. Le rang, chaque fois qu'il y a une agression qui est faite par un médecin, on intervient. Donc, vous inquiétez pas, et ça, on a toujours intervenu. Parce que les médecins, sans vous, bah, on soigne comment? Pour avoir des. Parce que Bonsoir, là, monsieur. Bonsoir. quand on appelle les Ouais, médecins, c'est les médecins dites-moi, d'Amario est-ce que qui vous avez vient. des compliments C'est alimentaires, impossible s'il vous plaît? de. Oui, Oui, attends, vous avez vous combien? voyez ce que je veux dire ou pas? Ça. On est C'est à combien? combien? Merci. On est deux Donc. à travailler sur. C'est combien à Donc, vous l'unité? en Vous faites voulez vendre combien? des. Je veux bien. Les 10, c'est 8 dollars. Bah écoutez, je vais vous prendre les 10, s'il vous plaît. D'accord, je reviens dessus. Merci beaucoup.
Je vais juste à la banque pour retirer les 8 dollars et j'arrive tout de suite. Non, c'est 10, si 8 dollars, pardon. Ouais, j'arrive tout de Pas de suite. problème. Alors, donc du coup, m'avait demandé 8 dollars. Tac. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci bien. Bonne journée. Derrière, il va plus avoir la haine contre vous plutôt que se dire, Parce que ah là, ouais, c'est un bon clairement, on plan. dirait que vous êtes là pour la beauté de... Mais la beauté de l'argent. Vous Le voyez ce que je nombre veux de dire? fois que je fais des cadeaux à des gens, messieurs. Eh, bonsoir, Voilà. monsieur. On sait faire des gestes Bonsoir, monsieur. à des personnes Bonsoir. gratuites. Mais quand on travaille 2 heures sup C'est dans vous, une journée excusez-moi. et qu'on gagne même pas Au 50 euros, revoir, c'est monsieur. la drogue. Ah merde, j'ai pas... Putain, j'ai pas d'argent sur moi. Oh, péché. Ensuite, donc du coup, 7. Il me manque encore 2 dollars, je vais m'acheter des jumelles.
Bah, j'ai pas midi. Donc du coup le point de rendez-vous c'était où déjà?
Merde, j'ai aussi oublié de faire autre chose. Heureusement, je l'ai vu. Putain, sans déconner, les caps partout.
Et vas-y, mon téléphone. Mais. Ah, putain. Oh, fais chier, j'ai perdu encore mon téléphone. Oh, bah, il est là. Merci, ma pote. Salut Island, bienvenue sur Sony Western, le RP de Red Dead. Comment vas-tu? Merci beaucoup pour le follow.
Allez, on va faire un peu de musique en attendant. Salut! Salut. Ah, je reconnais, c'est Chip, c'est ça? C'est ça. Ah bah salut Chip, comment vas-tu? Très bien, très bien. Il n'y a que deux pour l'instant. Bah écoute, pour l'instant, ouais, les autres sont pas encore arrivés. D'accord. Ok, je vais aller à ma tante. Ah, t'as une tente ici? Bien sûr, oui. J'ai une tente ici avec un coffre avec tout ce qu'il faut dedans. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il fait, j'en peux. Thank you.
Me demande bien. Je me demande bien ce qu'ils font. Ah bah, c'est sûrement c'est les élections de c'est les élections ce soir. C'est les élections ce soir, c'est pour ça que je pense qu'ils ont du retard. Qu'est-ce que vous attendez? Bah, on attend le point de rendez-vous. On attend le point de rendez-vous. Que les autres arrivent. Bon, tu sais quoi, je vais aller voir les gens, voir s'ils sont pas là, mais si jamais ils sont tenus par les élections et qu'on est que tous les deux, bon ben, je sais pas comment ça va se passer. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah écoute, je sais pas. Chaque soir, c'est des choses différentes. On va sûrement rencontrer des contacts ou on va aller jusqu'au Mexique pour récupérer des dollars, comme ils appellent, et des bijoux, pour ensuite les revendre et financer notre groupe. On va voir. Donc du coup là je fais un peu de musique, un peu de guitare en attendant.
Oh putain, c'est insupportable d'attendre. Ah, c'est horrible. J'aurais pu faire 36 000 autres choses, mais non. On arrive à l'heure. Salut. C'est quoi toi ton prénom V? Attends, si ton V, c'est pas V. Bah écoute, moi c'est Angelo. Et toi c'est comment? Moi c'est Dim, V. Enchanté. Sinon, toi c'est comme ça, tu peux m'appeler Brit. Brits? Bah écoute, enchanté Brits. Non, British. Ah, British. Oui, British. Ah, British, ok. Oui. Ok, bah écoute, enchanté British. Je suis arrivé, je suis venu, j'ai intégré votre groupe hier. Ah bébé, moi j'étais parti avec les autres dans les montagnes. J'ai besoin de prendre l'air, mais... Ah bah écoute, il n'y a pas de souci, hein. Ça t'a fait du bien au moins? Oui, toujours. Ah bah écoute, c'est le principal, c'est le principal. Bah les autres, ils sont où, oui? À Saint-Denis pour les élections. Ça n'a rien à foutre, moi. Ouais, bah moi c'est pareil, je suis arrivé début de la semaine en ville et dans le pays et honnêtement j'ai personne pour Ouais, qui ça, voter. moi c'est pas ça, c'est en vrai, c'est que moi c'est ça, moi j'y suis ici, mais soit voter pour un corrompu, ou voter un autre corrompu, ou encore voter un autre corrompu, oui, le soir est vite fait, oui, ils votent pas. J'ai envie d'être responsable, oui. Exactement, je suis comme toi aussi, ouais. Donc du coup honnêtement. Je vois que je m'en fous après des qui va être élu. Moi aussi, je m'en fous, en vrai, ça peut être bien, pas vrai, je dis. Moi, c'est, je m'en fous de la politique, oui, ça m'a jamais intéressé. Et ça m'intéressera sans doute jamais, oui. C'est de la merde, parce que... Ah oui, de quoi se compliquer la vie, hein. Je suis d'accord avec toi. Et Il du y coup. a des gens qui aiment bien se prendre la tête, ils font ça, oui. Ah oui. Ah bah qu'est-ce qu'il en faut des gens qui l'âme se prend la tête, sinon il y aurait pas d'élection, il y aurait pas de quoi que ce soit. Et du coup, ça fait depuis longtemps que tu fais partie de la famille, hein, British? Je fais partie des gens qui ont créé ça, oui. Combien de temps? Je fais partie des gens qui l'ont créé, oui. Ah, pardon, excuse. Ah, t'es un des C'est-à-dire que... fondateurs, ok. Mais... On dirait pas comme ça, oui. Oh bah après, on va dire, on est tous habillés de la même façon, on est toujours tous conçus de la même façon, donc du coup. Mais je dis pas ça, c'est que... Mais c'est un peu par rapport à tous les autres, tu vas voir, c'est différent de tout le monde, mais... Ouais, c'est sûr. Mais oui. Pas inaperçu comme ça, oui. Ah bah oui, en plus c'est ça qui est bien. Mais oui, moi, tous les gens dans leur cœur, oui. Avant que tous le mien, oui. Et je protège toujours les gens qui m'ont accueilli de moi, oui. C'est-à-dire que ça, pour moi, c'est comme un frère, oui. Bah Bien écoute, mieux que ça, oui. pour moi aussi, hein, comme on est tous de la même famille, donc du coup, je considère chaque membre de la famille comme mon frère ou comme ma soeur. Oui, t'as bien raison, c'est la bonne mentalité, ça, oui. Je vais te dire une chose, oui. Bah, la tenue que tu portes, là, oui, ben, c'est pas juste une tenue, tu vois. C'est pas toi qui portes la tenue, oui. C'est elle qui te porte. Parce que c'est bien. Exactement. Et puis, j'ai envie de te dire aussi, on doit être un symbole pour le peuple, oui. Tu vois ce que je veux dire? En être digne, oui. C'est que la moindre erreur que tu vas faire, ou que les autres vont faire, ils vont faire des erreurs, on fait des erreurs, parce que ça peut Ouais. arriver, oui. Mais ça fait une influence sur tout ça, tu vois ce que je veux dire? On a un emblème avant tout. Ouais. Liberté. Un jour, tu dois mourir en homme libre, oui. Et Moi, du c'est ce que coup, je veux, mourir en homme libre.
Ouais. Et du coup, ton surnom, ça vient d'où? Ça vient de tes origines? Ouais, en lait, oui. Tout à fait, oui, t'as tout compris. C'est comme pour moi, je suis italien, donc du coup, d'où Ah mon oui. surnom. D'accord, oui. En vélo, c'est ça. Ton C'est surnom. ça, c'est ça. Ok, oui. Oui. S'il vient de Birmingham, oui. Il demeure, lui. Et t'es arrivé dans le pays il y a longtemps? Oh, oui. Il y a très longtemps. C'est Ah une ouais? longue histoire, ça, tu sais. Très longue histoire, oui. On est arrivé des choses. Ah bah, des bonnes comme des moins bonnes, j'imagine. Il y a de ça 20 ans, c'était une autre personne, tu vois, oui. Aujourd'hui, des anciennes nouvelles. Hein? J'ai fait le bien. Avant, c'était peut-être trop le mal, mais. Mais écoute, il faut faire des actions bien comme mal pour pouvoir survivre dans ce monde de ce violent où à tout moment tu peux te prendre une balle dans la tête ou un coup de couteau dans les côtes. Mais tu vois, ça c'est quelque chose que tout le monde pourrait apprécier ça. C'est que tu vois, moi par exemple, tu vois, c'est gentil de faire. Les gens ils doutent de aucun cas suisse, c'est ce que je suis. Si tu savais, hein, oui. Tu vois, dans ce monde il faut être un caméléon, oui. Un putain de caméléon, oui. Sens de couleur quand t'as envie, oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Tu aperçu, tu dis rien, tu observes, tu écoutes, mais t'apprends. Ah Tu vois bah, là, mais toute ta vie, tu apprends, hein. toujours. Ça n'arrêtera jamais. Juste attends que tu meurs, oui. On va attendre. Ah bah moi pour te dire ça fait depuis quasiment une demi-heure que je suis là. Et moi, c'est ton putain, mon vieux, c'est pas un coup de sabot. Tu t'es pris un coup de sabot? Oui, il a tiré à oui. Ah. Un coup de sabot, c'est vrai. Hein. J'ai fait émanant de la montagne, oui. Rapide. Et ça va, pas trop de casse? Non, ça va, j'ai juste un petit hématome, mais c'est bien grave, j'ai l'habitude. Vas-y, il faut que me sortir une bière, moi. Tu veux chercher une bière? Je la trouve dans mes postes, là. Où elle est, je reviens, attends. Vas-y, je t'en prie. La tête, au boire, ça fait du bien à boire, des fois, oui. Oh oui, je suis d'accord avec toi. Là, j'ai plus de whisky, du coup, c'est de la bière, oui. Ah bah. C'est pas mal aussi la bière. Eh oui, eh bon, oui. Moi, je suis prêt, oui. Ah ben, moi aussi je suis Bon, prêt. oui.
Ils sont pas prêts d'arriver avec merde, mais... Ne me faites pas y aller, oui. Ah bah. En fait, c'est pas pourquoi on va être pour le gouvernement, mais qu'on est pour le gouvernement. Non, ouais, bah, apparemment, je pense pas qu'il y aura trop de monde, trop grand Non, mais monde. moi, si on me posait la question, oui, pourquoi tu vas pas revenir? Oui, vas-y, il y a ça, moi. Moi, si je trouve que le gouvernement, oui, pourquoi j'irais revenir pour eux? Ouais. C'est ce qu'ils font pour moi, oui. Rien du tout, oui. Même s'ils veulent pour moi, ils font rien pour moi, oui. La vie sera toujours pareille, oui. Les frais anciens, potentiels que c'est aujourd'hui. C'est Ça, pour ça. lui, ouais, oui. Ça sera pareil, oui. Ah bah, je suis même état de même avis que toi. Hein. Je veux vivre ma vie loin de toute la politique, les politiciens, les complots, etc. C'est pourri, oui. Tant qu'on me fait pas chier, tu me fais chier, tu prends une balle, tu me fais pas chier, je te fais pas chier. Oui, le respect, c'est un patard, oui. Oh, tu sais, chez les Italiens, nous, le respect, c'est plus qu'important. On va dire, une certaine fierté, nous, les Italiens, et si tu. Ouais, si tu perds mon respect, tu le perdras pour toujours. Oui. Ça, c'est bien dit, ça, oui. Pas de place pour les faibles dans ce monde, oui. Ah oui, c'est ça. Parce que si t'es gentil, trop gentil, tu vois, oui. Tu seras forcément la victime de quelqu'un de plus belle que toi, mais. Après, le but, c'est pas d'être méchant non plus. Ouais, mais moi je pars du principe, je préfère être tué que être tué. Après, c'est bien de faire le faux gentil. Ça surprend pas. Pas loin, oui. Ah, je crois qu'il y a un de nos gars qui a un problème. Il se fait attaquer par des loups. Oui, c'était là-bas, oui. Salopard. Ah oui. Ouais, ça va, ça va. Ah. Je n'avais plus, mais j'avais plus de balles, oui. Ah, t'inquiète, t'inquiète. Mais Ça merci c'est du coup. pas de rien, oui. T'as vu, c'était la merde. Là, oui. Concert. Ah bah écoute, j'en profite. Je peux toujours le vendre. Hein. Et le manger. Je me ferai un plaisir de manger ces loups, tiens. Comment? Plus de balles pour mon sprinter, Ok.
On va se parler ici dans le monde, sinon ça va être la merde. Mais... à l'endroit, moi. Je vais voir en bas si, si la personne est toujours intacte ou pas. Ok, va voir, oui. Ils auraient ceux-là, moi. Ok.
Allez. Ouais, ça va, ça va. Ça va. Ouais. C'est une belle entrée en matière, ça. Ouais, merci. Attache ton cheval. Ouais. Eh, hey, je t'ai sauvé la vie. Non, ça, oui. Tu m'as sauvé la vie ? Hein ? Tu m'as sauvé la vie ? Bah oui, des loups, oui. Ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, bah tu me sauves la vie en faisant quoi ? Oui, t'as une dette envers moi maintenant. Oui. Ça marche, pas de soucis. Salut, Oui, comment ça va ? Salut Moustache. Héritage. Oui, ça va. Je suis en British en face de toi. British. Oui, ouais, on s'est déjà rencontré tout à l'heure. Il est même sauvé. Ah bah ouais, oui, je peux comprendre. Si, il s'est bien battu aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, j'ai vu un gars se faire attaquer par des loups en bas, donc du coup j'ai pris mon cheval pour y aller, et en chemin je me suis fait attaquer par des loups. Oui. Bah, c'est bon. Ouais. On a fait. Et ma barre est pas là. Le contrat c'est compliqué, oui. Surtout Zévi, il est pas classé, c'est bon. Ah non. Ah bah. Il y en a qui l'a fait, l'autre il sautait. L'autre il l'a fait, l'autre il ressautait. C'était très très comparé, oui. On devra ouais, arriver, les autres. Oui. Le Tichy devra arriver, je pense. Il n'y a pas grand monde. Tu as prévu ce soir, oui. Bah écoute, c'est pas grand chose, donc on va voir ce qu'on fait. Soit on va aller visiter les entreprises, soit on va aller faire quelques diligences. Voilà quoi. En tout cas, je peux vous dire que les loups, quand je vais les cuire et les manger, je vais prendre un malin plaisir de les manger. Ah bah oui, je peux comprendre. Ça va, t'as pas été blessé? Oh, je me suis fait mordre et griffer quelques fois, mais ça va. Rien de trop cassé. D'accord. J'ai oublié de prendre. Ah, c'est plus ce qu'il faut. Cool. Merci. Mais tu vas plus en avoir, si? T'inquiète, j'en ai pas mal. T'as à manger encore? Ouais, tu veux? Ouais, je veux bien en deux, s'il te plaît. Ah, merci beaucoup. Belle bonsoir. 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 Quelqu'un s'en sauve tant qu'on y est? Non, c'est tout bon, merci pour moi. C'est bon? Ouais, je te laisse. Super, oui. Ouais, c'est moi, c'est moi. Et puis bon, oui. Comment vas-tu, beau gosse? Oui. Et la femme? Jure, mon. Oui. Et toi? J'arrive, monsieur. Pour moi, ça dépend, oui. Pas de soucis. Ça dépend du...
Oui, spécial. Ok, vas-y. Vert, un commercial de gazeux, un peu de gazeuse, oui. Ça dépend du vent, le sens du vent. Si... Ouais, mais c'est normal. Plus tu traverses, ça fait mal, oui. Ah, moi, c'est pour le karma, oui. C'est destin, oui. Ouais, c'est pas évident. C'est pas grave. Allez, non. Ah, si. Oui, si tu prends le TC, oui. Voilà, c'est tout, oui. Ah bah alors. Puis d'ici peu de temps, ça ira mieux, oui. Ça, c'est ce qu'il faut. Ils ont vite oublié tout ça. Encore Loba, c'est ça. Il y en a qui était avec moi, il est petit scout. De quoi? Ah bah. Il est parti se coucher. J'ai oublié ça. Attends. Ah, Sari? Ouais, Sari. Il est parti se coucher? Oui. Ah bon? Ah oui. Il y a les vrais qui sont, je sais pas, là. Et voilà, il sera allé dormir. Ça rigole pas. Vous l'avez ou pas? Mais, non. Non. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Ouais, ouais, ça. Ouais. Et voilà, pas mal celle-ci, non? Oui, pas mal. Ouais, pas mal. Ah, pas mal. Ouais. Mais ça comprend, Pierre. Tiens, Pampan, viens voir. En fait, moustache. Ça rigole bien, ça rigole tes oreilles. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a moustache de ranger sa trompette. Ouais. Ah, je l'ai? Ouais, je l'ai. Ouais. Bon, après, c'est pas au panique, je prends une arme. Hop là. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va et toi? Ça va et toi? Ouais. Pourquoi ça va pas? Je vais en mettre une. C'est très bien, pourquoi ça va pas? Ouais, je sais pas, moi je suis pas en tête très tôt. J'ai deux putains de cicatrices à cause de tes conneries! Aïe aïe aïe. Que tu deux? C'était quand même aïe 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 aïe. Ouais. Tu feras des cicatrices, je pensais. Non. Oula, j'ai failli me prendre un coup de lasso. Ça, c'est pour les deux balles qu'on a ratées hier. Plus du tout, du tout. C'est ça. Prochaine fois, tu vas au fusil. Ça sera plus percutant. Bah, il va comprendre que ça fait tirer dessus. Bah, moi, je vais avoir deux belles cicatrices, plein de belles cicatrices suite à une attaque de loup que j'ai eue tout à l'heure. Ah, dur, ça aussi ça pardonne pas. Ah non. T'es fait mordre au coup. Et je me suis fait mordre au bras et à la jambe. Ah, le bras. Quoi comme canasson? Moi? Quoi comme cheval? Je vais te dire ça. Je pourrais pas te dire parce que c'est un cadeau d'un ami qui m'a fait en arrivant dans le pays. Enfin le marron. Ouais, le blanc. Noir. Ouais. Ouais. Au fond, qui est sur l'arbre. Par américain. D'accord, merci. Ah ben le américain, ouais, il est pas très, il est un peu heureux. Ouais, ben je m'en suis vite rendu compte. Bon, au moins ça fera de la viande pour ce soir. Attends, toi t'as pas de fusil, bouge pas. Oh bah, c'est gentil. Je vais te donner mon éléphant. Oh bah, merci. Ça sert à rien, je peux pas les utiliser les... Si quelqu'un qui donne un fusil en plus, je peux pas les utiliser. C'est vrai, mon petit, il y a des... Viens toi, ton bras d'ailleurs. J'avais zappé lui. Je pense que ça s'infecte. Je pense. Ah bah, si c'est pas rouge avec plein de... Pour ça, pourrait-il qu'ils soient pas en grève? Ouais.
Oh, oui, mais oui, le docteur oui, sont en grève. Oui, pas. C'est pas. Ils sont tous passés en disant on est en grève, docteur en grève. Et lui, c'est, voilà. C'est un peu ce médecin. C'est tout. Je suis content. C'est pour ça que tout à l'heure, notre mi ne s'est pas fait soigner. Il a dû que les médecins ont dû s'occuper de lui directement au dispensaire. Parce que les docteurs font grève. Et ce sont quoi leurs revendications? J'en sais rien, ils sont juste passés en gueulant les docteurs en grève, les docteurs en grève, et c'est tout. Et ils ont pas dit pourquoi? Non. Bah non, ouais, juste ils disent ça au galop. C'est voilà. De gueuler ça et ce qui se passe derrière. Mais... Parce que bon, en général, quand tu fais grève, c'est que t'as des choses. Genre, oui. C'est un médecin de temps révisant, mais avant là. Ouais. Voilà. Bah, je crois qu'il leur a refilé sa maladie, hein. C'est ça, quoi. Ils ont fait une pierre deux coups. Ah, c'est peut-être pour... ah, vous pensez que c'est pour les tenues? Oh, ça serait magnifique. Alors qu'on les a plus mises, mais bon. Mène. Ça s'appelle une grève, un retardement. On a réussi à foutre les docs en grève, quoi. C'est à cause de nous. C'est pire qu'un retardement, là. Hein. Ah oui, oui. Dans un mois, ils en reparleront encore, je pense. Topo, si jamais. J'ai des cloques du Bayou, j'ai de la nourriture, j'ai des bandages pour les canassons et j'ai des balles pour à peu près tout sauf les revolvers. Sauf moustache. C'est pas sauf pour. Oui, moustache, c'est mort. Demande tes balles, t'en auras pas. Toi, tu mets un caillou au bout et t'essayes de. Même pas. Alors, Pierre, dans Pierre. La mousse, c'est pas... bien. J'envoie la main en direct. Ça va alors. Bon, pour ce soir. Si tu sais. Pas... grand chose de prévu, on n'a pas de rendez-vous de calé ou quoi aux caisses. On allait voir un endroit qu'on a couvert Pampan et Loba, voir si ça pourrait être intéressant, etc. etc. C'est beau, hein? De quoi? C'est beau, hein? On a hâte de voir. Y'a qu'un seul problème. C'est quoi? Comment vous dire, on a un camp de baptiste pas loin. Après, on ne sait pas s'ils sont là ou s'ils sont pas là. Mais il y a un camp pas très très loin. On va aller regarder ça. Et ensuite, on va essayer de voir dans tout ce qu'on n'a jamais vu. Là, je vois qu'il y a un ranch qui est indiqué, qui est vert et qu'on n'a jamais allé voir. On ira se présenter. Et si on voit des diligences sur la route, on essaiera de. Faites-vous quelques personnes riches pour aller pouvoir les redistribuer aux pauvres. Et on pourra peut-être aussi aller faire un petit tour à leur paillerie, voir si plus de personnes ont besoin. Quelqu'un a quelque chose à dire ou une suggestion d'une activité qu'il aimerait bien faire ce soir, je vous conseille. Comme ça, non. L'endroit, il nous servira à quoi? Pour établir notre camp. Ouais, établir le camp. Ok, ok. Ok. C'est bon pour tout le monde? C'est bon. Ça, j'espère que tout le monde qui est en majeur est allé voter. Norme d'âme. J'irai voter. Pourquoi j'irai voter pour que tu ne dises pas, oui. Parce que c'est un droit et que. Oui, oui, c'est le droit de pas voter aussi. Ok, j'ai rien dit. Ferme ma gueule, j'ai compris. Ouais, j'ai pas voté pour les gens qui ont dit pas de vie. D'accord. Ben, ne va pas voter. Oui. Oui. Je t'assume. Bon. Sur cette belle ambiance. Et on va monter sur les canasses. Allez, c'est parti. Allez. Je descends et remonte. T'as dit quoi? Ouais, British, t'es mal scellé. Par contre, tu es mal scellé. Moi? Oui. Bon, pour envoyer ton canal. Bon, là, oui. Bah, t'es monté sur ton cheval, là? Oui. British, non. Il va falloir que tu renvoies ton canal sans que tu l'en fais. Vas-y, monte, parce que la route.
Tu veux que je passe demain? Hmm. Attends, non, c'est trop dangereux. Bah, Joba et. Le Viper, c'est devant. British et. Et. Angelo derrière Pampan et moi, et Moustache, tu fais la marche. Entendu. Je n'ai pas entendu, t'étais un peu trop loin avec. Derrière Pampan et moi avec. Voilà, vas-y, vas-y. À droite. Ah, mais c'est l'angle où on a fait l'autre. Putain, la arme s'est écrasée là. Il y a une maison où il y a plein de pas, oui. C'est rassurant si un arbre est déjà tombé sur futur base. Oui, c'est pas très rassurant. Au moins il est déjà tombé dans ma vue, tu l'as vu. Ah bah y'en a un autre qui peut tomber tout de suite derrière. C'est pas mal, hein. C'est pas mal le l'endroit avec le petit lac là. On est déjà venu ici. On est tranquille, y'a personne autour, hormis les natifs du coup qui pour sont la pas très loin. Ouais. On est venu ici, ouais. Et il est où le camp natif, Loba? Il est juste là, en haut de la montagne, en face de nous là. Ouais, il est passé. Ouais, ouais. Il est passé au retour comme ça. Je on est passé hier à côté, c'était pas loin d'ici en tout cas. Et ouais. Il y avait des. Quoi? Quand vous y êtes passé, il y avait des natifs? Il y a toujours. Oui, si, bon. Il y a toujours des habitants, quoi. Il y a toujours les femmes et les enfants qui sont dedans, mais. Ouais, d'accord, je vois. En tout cas, il était plein. Je sais pas si. S'il y a des guerriers ou si c'est juste des réfugiés natifs. J'ai jamais entendu parler de natifs qui étaient par là. Il y avait ici, moi non plus. Même les paysans, on les voit même plus. Je sais pas ce qu'il y a de natif. C'est qui m'a dit.
Non mais là en plus, là j'ai eu un gros souci de touche là. Je voulais monter mais non, il a préféré taper le cheval que monter. Et oh, ça va, te moque pas. Ouais, c'est ça. Ça y est, il y a les associations des animaux, la défense des animaux qui vont me tomber dessus. Salut Xtrême, comment vas-tu? Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue sur Sunny Island. Sur le serveur Sunny Western, sur le serveur de Red Dead Redemption 2. Comment ça va?
Bon, encore 11 minutes à attendre, putain. Ça va prendre. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout où je vais réapparaître. Je me suis pris un coup de sabot. Je sais pas du tout où je vais réapparaître. On verra bien dans 10 minutes. Ah bah écoute, les chevaux ils sont sauvages ici. Dans ce pays, les chevaux, tu passes à peine derrière, c'est bon, c'est. Tes potes ont dû bader. Tu m'étonnes. Ah, Natsu et Extrême, vous connaissez. Et oh, Chip, ça va, t'en remets pas une couche. Dis-moi, Chip, est-ce que je fais appel au l'Intix ou pas? Non, bah avec les bugs et l'attente qu'on a fait, ouais. Ok. Exactement. Alors je suis où? À Valentine's, ok. Ah, par contre c'était. Bah, c'était là, je crois. Ouais, mais c'est un prix. Ah bah qu'est-ce que tu veux, c'est les. Voilà, après ils sont au courant, mais le temps qu'ils fassent les choses. On va prendre. Tac. Hop là. Bah on a l'autre. Ouais, mais bah, oui, je suis d'accord avec toi, je suis par rapport à ça. Oh putain, à peine sur mon canasson qu'il y a un serpent, c'est génial. Ça s'appellerait pas du RP, mon pote.
Ah, oula, oula. Bon, faut pas que je passe par là, ok. Voilà, ça la petite lanterne. En espérant que je puisse voir la patronne assez rapidement pour toucher ma paye, pour que je puisse enfin m'acheter un fusil. Ah bah t'inquiète, j'ai de quoi manger. Non. C'est sûr. Ah merde, c'est pas du tout ce lac là. C'était lequel de lac? Est-ce que c'est celui-là? Alors, pigeon. Historique. C'était qui? C'était lui, je crois. Ah non, tu respectes pas la règle. C'est quoi la règle? Chut, tu n'as rien vu, rien entendu. Oula, là j'arrive dans la neige là. Wouah, je suis à 2351 mètres. Ok. Mais en fait, je savais pas du tout où c'était. Bien sûr, les chevaux, ils peuvent mourir. Mais après, les... Allez, ya! Les comment ça s'appelle? Les palefreniers peuvent les ressusciter. Mais ça coûte une blinde. Hein. T'inquiète, Panzani, il va survivre jusqu'au bout. Ouais, si jamais Panzani, c'est mon cheval. Hein. La vache, ça me fait prendre quel chemin ça. Mais là, si je descends, mais je meurs. Hein. Et mon cheval aussi. Hein. Et là, Panzani, il sera quick. Au moins, ça fait voir du pays.
Ah bah, la soirée ne se passe jamais comme prévu. Oula. Faut savoir qu'une soirée qui se passe comme prévu. Ouais, c'est ça. Ils m'ont donné leur position. Et donc du coup, je les rejoins. Je suis à 1400 de mètres de la position. Et du coup, Chip, c'était à quel endroit que ça buguait niveau vocal? À Rhodes? Putain, y'a des loups. Y'a. Oh putain. Allez, ramenez-vous les bêtes. Allez hop, de la bonne viande. Le mec il fait attendre son groupe et il prend son temps de couper la petite viande des pères MDR. Ah bah écoute. Faut bien que je me nourrisse, hein. Dès que j'ai un feu de camp, je vais me faire la viande. Oula. Oula, oula. Oh putain, j'ai eu peur. J'ai eu si peur. On va prendre le chemin. Ah, une chose, ne jamais prendre des raccourcis comme je suis en train de faire. Sinon, c'est... Denis. Panzani, non! Panzani! Du tout au moment il dit faut pas prendre. En plus là j'en peux... Non mais arrêtez. Écoute. On dirait que c'est les loups qui m'ont fait peur et qui ont fait chuter mon cheval et qui est mort.
Non, mais ça va, toi, hein. Ah, ils arrivent. Ou pas. Oula, c'est qui tout cela? J'ai cru que j'allais m'avancer comme une fleur, mais en fait, non, pas du tout. J'allais me faire prendre un otage en plus. On va se cacher. Tu devrais fait choper, mais je me roule par terre. Non, mais je suis vraiment. Continue pas, s'il te plaît. C'est déjà une situation assez gênante pour moi. Du coup, ça va se passer comment pour Rez, mon cheval, Chip? Ton cheval est déjà mort ou pas? Non, mais je te jure. T'es une merde. Hey, oh! Bah oui, c'est un cheval en plus. Oh non, Natsu, reste avec nous. Bon, je pense que je vais avancer. Ça va, j'ai pas beaucoup de marche. Au cas où. Ça va mieux? Ouais, ça va, ça va. Allez, vas-y. Merci. Désolé d'avoir fait perdre du temps. Ouais,
pas grave, ça arrive. Mais. Attends, tu vas dormir. Attention. Et mets ton chapeau. Oui. Il a le droit de refaire une sieste, lui. C'est ça. Il avait pas assez dormi, à mon avis. Tu m'étonnes, c'est qui ça? Je sais pas. Wouah. En plus, en chemin, quand je voulais vous rejoindre, je me suis fait attaquer par des loups. Et c'est comme ça que mon cheval, il s'est fait tuer. Ah ouais, ouais. Ah merde. Donc Ouais, c'est moche. Ouais. Ouais, c'est à toi. Tu te fais attaquer par des loups. Après, on commence à bouger. Tu prends un coup de sabot. Ensuite, tu réveilles et tu te fais attaquer par des loups. Ah bah là... Et du coup, ça se passe comment? Il faut que j'ai... C'est auprès d'un palefrenier que je peux soigner mon cheval? Ouais, non. Oui. Ouais. D'accord. À gauche. On avait dit. T'es sérieux, droite? Non, tout droit. De mémoire, pour monter. Ouais, voilà, il faut monter, ouais. Ouais, ouais, si, c'est ça. Ça va, il me reste encore 9 pigeons. J'ai cru que j'étais à bout de pigeons, mais non, il m'en reste 9. De quoi, pourquoi? Pourquoi, merci Vince. Bien tenté. Pour nettoyer les pattes du cheval. Merci Rital. Plaisir. Ah bah, de rien. Désolé de vous avoir fait attendre, messieurs. Réveil, c'est long, hein. Ouais, je sais, bah, je t'explique la situation. Bah, à mon réveil, je veux vous rejoindre. Bah, je me suis fait, en chemin, je me suis fait attaquer par des loups et mon cheval, il s'est fait tuer. Encore? Ouais, bah, en plus, là, je suis passé dans une forêt pas très loin de Blackwater, dans les montagnes, je vous dis pas. Mais dis-moi, V, t'as la même dans tes poches, ça se passe comment, V? T'es tombé par des loups, toi, V? Ah bah oui, mais là, ce soir, heureusement que j'ai pas de femme, parce que sinon je serais cocu, hein. V. On va voir, V. Ah, V. La prochaine fois, tu prends ton arme, tu lui vises la tête. Tu lui vises bien dans la... Ah ben, on va dire, quand mon cheval s'est fait tuer, j'ai pu les tuer, mais on va dire, ça me fait quand même, ça m'embête quand même d'avoir perdu mon cheval. Là, mais tu peux parler un petit peu moins fort. Pardon, excuse-moi. Pas de soucis, merci. Oh non, mon public, il va mourir. Bon, c'est pas grave, c'est aussi long de cette histoire. Oui. À demain, tout le monde. C'est ça. Salut. Ouais, j'ai pas pu te sauver cette fois-ci, oui. Ouais. J'y vais, à demain. Bonne soirée. Salut. Bah non, je m'en prends pas à plein la gueule, hein. Non, mais les collègues, ça va, hein. C'est ça. Pompon, frappe un couteau ou une arme ou quelque chose. Ah oui, il faut que je fasse un pompon. Ah, nickel. Oui, ça y est, c'est fini la balade. Ouais, je suis désolé de l'attente. J'ai des petits soucis en chemin. C'est pas grave. Bah, mon cheval, ça il s'est fait tuer par des loups. Ah, bah, écoute, si jamais passe Orange à Emerald, je m'en occuperai. Ça marche, merci beaucoup. Rien. Bah, écoute, ça met l'animation. Hein.
Je vous propose l'animation. British, toi, tu. Oui. Ben, tu vois, les... Ouais, je m'en suis rendu compte aussi. Ah oui, Ted, c'est pas, oui, tu dépends. Ouais, je pense que, ouais. Ça confirme. Moustache, moi, je vais pas trop tarder. Quoi, ouais, c'est carte libre? Ouais, je pense, ouais. Ça va, là... bah, tu peux m'amener à l'endroit, ouais, oui. Bien sûr, oui. Du coup, carte libre, hein. Ouais, c'est parti. Bah, du coup, ça va où je vais, hein. La bise. Ouais, la bise. Ah bah, faut qu'on le pose quelque part. Bah, je vais voir avec quelqu'un s'il peut me déposer à. Ouais, bah, ouais. À chez un patronnier. Hello, Pampan. Est-ce que quelqu'un pourrait me déposer, s'il vous plaît? Vas-y, viens, monte. Merci. Est-ce que tu as la possibilité de me déposer auprès d'un patronnier pour que je puisse récupérer, soigner mon cheval? Ah oui, je te déposerai pas loin. Merci. Pas de soucis. Non mais je vais pas non plus refaire une gaffe par-dessus. Non mais c'est bon, ce soir je suis cramé. Le boulet de service. Bon ça y est, il va jamais me confier des missions. T'imagines la situation. Ouais, mais je sais, mais j'ai pas envie non plus qu'elle soit encore plus dans la merde. Hein. Il loupe en. Je voulais ou pas? Je crois qu'il est déjà parti. Ah, ok. Non, mais je vais essayer de d'être. C'est quoi la gaffe si j'ai pas compris? En fait, dans le au sein du groupe, tu dois pas dire où tu travailles. Et tu dois pas dire qui tu es. Parce que nous, on va dire, c'est un total anonymat. Moi, je connais pas les membres du groupe. À part Ship. À part, ouais, Ship. Et bah, du coup, maintenant, je savais déjà que la meuf, j'avais déjà croisé en mode civil. Qu'elle bossait dans un palefrenier. C'est quoi ton surnom ici avec moi? Comment? C'est quoi ton petit nom? Moi c'est Angelo. S'il vous plaît, la tenue! Ouais. Moi c'est Angelo. Ok, d'accord. Ouais, il fait ta tenue. Laurent, il est à côté. Ah, des bêtes à faire. Ça marche, je vais me changer en même temps, d'accord? Ça marche. Bah écoute, je te remercie en tout cas de m'avoir déposé. Y'a pas de soucis. Bah écoute, prends soin de toi, bonne soirée, British. Ah, c'est pas British, moi, c'est la vipère. Ah, la vipère, excuse-moi, bonne soirée, la vipère. Bonne soirée. Ah, faut que j'aille récupérer d'argent. Bonne soirée, à demain. Ouais, bonne soirée, ouais. Désolé pour ce soir, c'était un peu compliqué. Ouais. Et désolé de t'avoir fait perdre votre temps, c'est aussi non, de ma non, faute, a... donc du coup... Non, y a aucun problème, ça arrive à tout le monde, t'inquiète. Et en plus, avec les médecins en grève, ça aide pas quoi. Et surtout, tu vas pas voter. Ouais, c'est ça. Allez, bonne soirée, messieurs, faites gaffe à vous. Ouais. Bon, allez, je vais aller à une banque. Ah bah non, au pire, attends. Écoute. Bah, c'est-à-dire qu'ils ont confiance en moi.
C'est ça. Bonsoir. Mais c'est ça qui fout la merde en fait. Alors, comment je fais pour faire ressusciter mon cheval? Bon, non, mais récupérer. Oh mon Panzani! Comment ça va mon Panzani? Monsieur Popard, Bonsoir madame! vous avez besoin d'un coup de patte? Bah écoutez, il m'a l'air d'aller bien parce que je l'avais perdu dans la nature suite à une attaque de loup. Je pensais qu'il était mort, mais en fin de compte, je vois que. Vous voulez que je vérifie au cas où? Ouais, s'il vous plaît, ouais. Oh Ah, écoute! on va le faire. Bon, oui, ça fait du bien, hein. Merci beaucoup pour le coup de brosse et pour la petite gueule, pour sa petite croquette. Avec plaisir. C'est un médicament que je lui ai donné. D'accord. Normalement, il va se sentir beaucoup mieux. Bah écoutez, merci beaucoup mademoiselle. Avec plaisir. Passez une bonne soirée, bon courage. Merci à vous aussi. Merci. Moi je vais voir s'il y a les patrons. On est d'accord, Chip, que c'est Loba. Que c'était elle. N'empêche, je suis pas un monstre. Ah bon, ouais. Non mais t'inquiète, je connais. Non mais t'inquiète, c'est bon. Pourquoi t'es pas un monstre? De quoi? Mais non mais Panzani, il est là, qu'est-ce que tu racontes? Ah bah si t'es pas fatigué, reste avec nous Alpha. On passe un bon moment tous ensemble. Je me mets peut-être à me recoudre MDR. Ah c'est sûr que tu m'as bien fait rire, mon salaud. T'avais qu'à pas faire la grâce, ma cité grosse. Tu m'étonnes. Écoutez, mon cheval, il n'est pas mort. Mon cheval s'est perdu dans la nature, c'est tout. Suite à une attaque de loup, mon cheval, il s'est perdu. Mais non, mais t'inquiète pas. Mais tu m'as pris pour une blonde de service ou c'est comment, Chip? Sinon, les patrons ils vont dire: Mais tiens, 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 tu es habillé comme les Silver Guardians qui sont venus l'autre jour à la cotonnerie. Bizarre, bizarre.
Mais je peux pas me changer, je peux pas me changer comme ça, mec, c'est du RP hein. Faut que j'aille dans une boutique pour où il y a un vestiaire pour pouvoir me changer hein. T'as cru que j'avais une cabine d'essayage sur moi ou bien? Petit Panzani, j'espère que ça va pour toi. Hein. Tu m'as fait une frayeur quand on s'est fait attaquer par des loups, je t'ai perdu de vue. Ouais, tu penses? Bonsoir. À voir comment, à voir ce que c'est, hein. À voir. Peut-être que je me décale, peut-être, non? Non, c'est tout bon, merci à vous. Il y a pas de problème. Attention, pas faire. En plus, Rockstar, il a repris la licence de Redmi pour faire du pour de Five pour le GTRP. En gros, de base, c'était des. En fait, de base, pour te dire, de base, c'était des personnes à part l'extérieur de Rockstar qui s'occupaient de tout ça. C'est une entreprise à part que du coup Rockstar a racheté. Et donc, du coup, c'est eux qui vont s'occuper maintenant de du RP sur GTA. Pour l'instant, comment ça s'appelle? On sait pas pour Red Dead Redemption, mais en tout cas pour GTA, ils vont reprendre. En tout cas, la palefrenière, elle est mignonne. Avec son petit corset et tout. Mamma mia. Comme diraient les Italiens. Vas-y, je pense que si les patrons sont pas là, je pense que je vais m'arrêter là. Ah, vu tout à l'heure, il y avait 4 ou 5 dindons qui étaient dans la grange ici. J'ai cru que j'allais halluciner. Non, il n'y a pas de patron.
Parce que j'ai récupéré du coton, j'ai transformé pendant 3 heures tout l'après-midi. Et je vais pas en refaire ce soir, je pense. Parce que là, j'en ai combien? Bah tiens. Ah ouais, ça fait quand même 7 kilos le fusil. Waouh. Ouais. Carrément. Ah ben. Ah, tout a été repris, mais... Non, ça devait être repris, du coup, je pense que ça a dû être noté. Ça t'est déjà arrivé, Chip, que ton stock, ce que tu as fait... Bien le bonsoir. Il est là, toi. Bah oui, je suis là, je suis là. Je suis allé à la cotonnerie pour voir s'il y avait des patrons pour qu'ils puissent me payer. Et du coup, j'ai une question. J'ai vu que dans mon emplacement de casier, j'ai plus rien. C'est normal? Oui, ça veut dire qu'ils ont fait un petit tour et qu'ils les ont récupérés. D'accord, mais j'espère qu'ils ont noté ce que j'ai fait pour qu'ils puissent me payer. Ah ben non, là c'est perdu. Arrête, me fais pas peur, Jackie. Non, 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 t'inquiète pas, pas du tout. Oula, par contre, Jack, t'as une voix assez faible. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as un chat dans la gorge? Ben écoute, hier, je parlais trop fort et là maintenant. Bah là, on t'entend très peu là. D'accord, et là tu m'entends un peu mieux. Bah, j'ai aucun changement là. Pourtant, tout à l'heure, ça allait nickel. Je sais pas ce que tu as fait avec ta gorge, mais... J'ai rien fait. D'accord. Et là. Ça va légèrement mieux, mais c'est moins fort que tel en tout cas. D'accord. Je dois avoir quelque chose dans les oreilles. De quoi sur le chat, Alpha? Je vais au média, quelque chose dans les oreilles. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit sur ma mère? On entend bien sur Twitch. Ah bon, d'accord. D'accord. Bah écoute, non, parce que tout à l'heure il parlait plus fort Et là, que ça va mieux. lui. Oula, là oui, ça va beaucoup mieux là. Ah bah là c'est bon, je retrouve ta voix là, Chip. Jacques. Ah, mais tu vois. Non mais je l'entends mieux comme ça. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, mon petit Jackie? Ben écoute, si tu veux, je peux envoyer un message au patron, un petit pigeon pour voir si c'est dans les parages. Ouais, bah écoute, si tu peux faire ça déjà, et si t'as pas de réponse, bah à ce moment-là, on ira boire un verre à Saloon. Allez, je vais envoyer un petit pigeon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ma tenue, les gars? Merci Netsu, ça fait plaisir. Ah bah je vais aussi ranger mon fusil parce que c'est une amie qui m'a prêté son fusil. Parce que je me suis fait attaquer par des loups, je t'ai pas raconté ça, Jackie.
En même temps, c'est quelque chose d'assez habituel chez toi. Ah bah écoute, non mais je te jure, à mourir de rire. Je vais me faire une petite balade en forêt au-dessus de Blackwater, t'as une petite forêt là-bas. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, deux fois je me suis fait attaquer par des loups, deux fois. Et avec mon amie, elle m'a prêté, elle m'a dit, bah écoute, tiens, je te prête mon fusil comme ça tu pourras te défendre. Bah, ça m'a bien servi pour la deuxième fois. Et voilà. Allez, je reviens, je vais dans mon coffre. Je pense aussi, ouais. Quand tu l'entends plus, ça veut dire qu'une chose chose. C'est pour ça que t'as coupé ton micro. Tu vois que t'étais avec une femme. Ouais, mais c'est pas une femme où je pouvais conquérir parce que c'était une groupe de. J'étais avec plusieurs personnes et la femme, je la connais pas encore, mais après, rien n'empêche que par la suite, je puisse faire plus connaissance avec elle. Encore. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Mon objectif, c'est d'épouser une américaine, de faire des bébés italo-américains et après repartir en Italie. Oui, carrément. Ah bah écoute. Bah si tu veux, t'as de quoi faire un feu de camp, Jackie, ou pas? Oui, je dois voir ça. Bah écoute, si tu veux, je peux te proposer de la bonne viande de loup que j'ai plombée tout à Une l'heure. viande de loup? Ouais. Je crois que j'ai ça dans ma caisse. Ah, je te dis pas, je vais bien le manger, ce loup. C'est pas lui que t'as bouffé. Ouais, où je me suis débattu au Je péril de savais, ma je vie. crois. Non, mais ça, non seulement ils foutraient, en plus ils se mettent au milieu du chemin. Putain de caillou de merde. Bah. Putain, c'est pas possible. Ah, du coup, t'es parti aux élections gouvernementales ou pas du tout? Non, non, du coup, je suis pas allé voter parce que j'ai fait une petite sieste pendant les votes et moi, tu sais, moi, la politique. Ouais, c'est vrai. Je te verrai bien, mère, Jackie. Voilà, bon, sûrement pas, non. Bon, alors, mon briquet, je l'ai sur moi. En plus, il y a une belle nuit bien étoilée, au bord de feu, à manger de la viande et à jouer de la guitare. Voilà, que demander de mieux? Là, on se fait un petit feu. Bon, on va le faire ici. On est bien, là. Bah si tu veux, ouais. Je sais pas si c'est autorisé de faire un feu de camp dans la propriété de la côte Si, honnête. si, moi je serais toi, je resterais pas trop à côté parce que. Ah, ouais, t'as raison. Et la viande, ça se... Me manque un morceau de bois. Ah, et la viande, ça se conserve plutôt bien?
Je t'avoue que c'est assez rare que je chasse, donc je sais pas trop. Bon, mais il faut pas la laisser plusieurs jours dans tes poches, sinon tu vas tirer d'autres loups. C'est sûr. Ah, j'ai reçu un pigeon, c'est peut-être le patron. Ah, bonne nouvelle. Ils seront là demain, Demain. ce soir. Ok, pas de soucis, ça marche. Bah écoute, non, je passerai à côté de. Je viendrai demain. Oui, après, t'inquiète, moi, ça m'est arrivé déjà de récupérer une paye 2 voire 3 jours après et il n'y a pas eu de souci. Ah bah oui. Tout est noté, ils ont un cahier. Dès qu'ils récupèrent dans le casier de quelqu'un, ils notent tout. D'accord. Hop là. Alors, comment faire cuire de la viande? Parce que je t'avoue que leur pain à moitié rassis, ça nourrit pas un homme. Hein. Ouais, mais bon, comme je t'ai dit, les patrons fournissent, les patrons fournissent à manger et à boire, donc Ouais, c'est sûr. Ça marche les gars, bah écoutez, passez une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à très vite. Et demain soir, Grounded. La bise! Pas de soucis, ça sera fait. t'en sors. Bah écoute, j'ai 8 morceaux de viande à cuire, donc du coup c'est un peu long. Ouais, mais au moins une fois qu'ils sont cuits, t'es tranquille. Ah, c'est ça. Ouh, c'est chaud, Ah bah là, c'est très très chaud là. c'est chaud. Wow, faut pas que je reste là. Aïe, 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 chaud, 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 chaud. J'ai failli brûler ma botte. Il reste beaucoup encore. Bah écoute, je crois que c'est mon dernier, ouais, c'est mon dernier celui-là.
Tiens, mon petit Jackie, tu vas me goûter cette viande-là. Après tout, une bonne barbaque. Ah, j'ai récupéré aussi du gingembre, tu sais à quoi ça sert? Tu peux le revendre, je pense, ou dans un saloon, ou peut-être un médecin. Moi aussi, j'ai récupéré un peu de la menthe, du riz. D'accord. Faudrait qu'un jour je prenne le temps d'aller dans un petit saloon et de revendre. Ah bah écoute, éventuellement on pourra se renseigner au salon de Rhodes s'ils reprennent. De la bonne viande de loup, ah là là. Allez mon ami, assis-toi. On parle tous les deux. On discute. Oula, qu'est-ce que t'as une annonce à me faire? Ah oui, allez, raconte tout à ton Jackie. T'étais où ce soir? J'étais où ce soir? Ouais. Bah, comme je t'ai dit, j'ai rencontré des gens dans un saloon et on est parti se balader en forêt, pourquoi? En forêt. Dans les montagnes. D'accord, ouais. Et hier, t'étais à Madiou, c'est ça? Hier j'étais ouais côté Armadier ouais. Mais hier j'étais tout seul hier. D'accord. Ouais, écoute, ça fait un petit moment. Maintenant, toi et moi. Ouais. Tu sais bien quand même. Tu sais bien qu'on se dit tout. Exactement. Ouais. Et tu sais. Tu sais pas, mais bon. Moi je sais où t'étais ce soir. Et je sais où t'étais hier aussi. Tu savais où j'étais hier? Mais comment ça se fait? Parce que j'étais avec hier. T'étais avec qui hier? J'étais avec toi hier. Ah bon? Bah, je t'ai pas vu hier. Tu m'as pas vu parce que, comme toi, je portais mon masque. Tu sais, le fameux masque noir. Bah oui, parce qu'il y a un peu de sable à Armadillo avec le désert et les cactus et compagnie, c'est... Allez, arrête-toi. Tu sais très bien de quoi je parle. Je sais très bien que t'es dans les Silver Guardians. De quoi? Les quoi? Ah, allez, écoute. Parle-moi. Je sais très bien que t'es avec eux. Parce que moi aussi, j'étais hier. N'est-ce pas, Angelo? N'est-ce pas Angelo? Oh, c'est gentil que tu m'as tu oh, tu m'as appelé mon ange, c'est gentil, mais voyons, Jackie, ça fait depuis un petit moment qu'on se connaît déjà. Je te pensais pas que. C'est très bien. De faire l'idiot, je sais que t'es dans les Silver Guardians et j'y suis moi aussi. Et mais. T'es même monté derrière moi hier, quand on est venu te chercher à la maison. À la maison? Quelle maison? La maison là où on t'a donné rendez-vous. Ouais, écoute. On va pas se mentir tous les deux. Non. Le membre des Silver Guardians, Sheep. Ouais. C'est moi. C'est moi. Oh putain. Yeah. Pas... Attends, c'est toi, Sheep? Ouais. Oh. Et hier, j'étais avec vous quand on est allé rencontrer un marchand et quand on est allé récupérer l'argent à Armadillo. Oh putain, tu m'as. Là, j'entends me dénuder, là. Je savais pas que tu traînais là-dedans, toi. Bah, dis donc. Tu peux parler, non? À peine quelques jours que t'es là et... Oh, tu sais que je suis un homme d'action qui aime l'aventure, etc. Je me vois pas ramasser du coton et à le transformer toute la journée. Ouais. Je te cache pas que j'ai été surpris. Quand je suis arrivé là-bas, on m'a dit il y a une nouvelle recrue. On va le chercher ce soir.
T'imagines pas ma surprise quand je suis arrivé à la maison et que j'ai vu t'avancer, monter derrière moi. Bah oui, parce que à ce moment-là, je n'étais ni masqué ni habillé comme eux. Mais bien sûr. Donc, du coup, c'était facile pour toi de me reconnaître, mais moi, j'étais dans l'incapacité de te reconnaître. Mais disons que c'était le but. En principe, enfin, voilà, on se démasque. On se démasque pas de suite. Moi, j'ai eu, on va dire, la chance parce que j'en connais certaines depuis bien avant. Donc, ils se sont tous démasqués devant moi les uns après les autres quand je suis rentré dans le groupe. Donc, forcément, quand je t'ai vu hier, j'ai demandé à Rital à lui parler et je lui ai dit que je te connaissais. Expliquer qu'on se connaissait depuis un bail, qu'on avait visité pas mal d'États, qu'on avait fait les 400 coups ensemble et au final, bon, ben, pensais qu'il aurait pris la nouvelle avec beaucoup de plaisir et au final, ça crée l'effet inverse. Du coup, ils se méfient un petit peu, tu vois. Ils n'ont pas spécialement confiance parce qu'ils pensent que t'es venu dans leur groupe parce que tu connaissais déjà mon identité, alors que ils savent très bien que c'était pas le cas. Voilà, je pense que ils se méfient de toi, ils te font pas confiance. Peut-être qu'il va falloir du temps, ou je Non, sais pas. ben, moi ça me pose aucun problème. Moi, de toute façon, au jour de l'entretien, la confiance, j'attends pas qu'ils aient confiance en moi dès le début. C'est à travers mes actes et à travers mes actions qu'ils pourront avoir confiance en moi ou pas. Hein. Oui, c'est sûr, mais bon, le problème c'est que, au vu de leur réaction, moi aussi je me méfie un petit peu, tu vois. Je te cache pas que je leur ai raconté, tu sais, le jour où notre bande la bande dans laquelle on était, m'avait laissé pour mort dans le désert, Ouais. et je leur ai dit, c'est le seul qui m'a pas laissé, qui reste avec moi jusqu'au bout et au Bien final sûr. qui s'est voilà, qui s'est mis tout le groupe à dos. Et Bien sûr. c'était pour moi une manière de leur expliquer que qu'ils peuvent te faire confiance, que tu serais pas du genre à lâcher les copains, mais au final ça crée l'effet inverse. Ah Comme bah m'a dit écoute-moi. Loba, je me méfie de lui parce qu'en fait, il n'a pas hésité à trahir toute sa famille pour te sauver la peau à toi. Seulement, comme je dis, ce n'est pas lui qui a trahi la famille, c'est eux qui nous ont trahis. Bah c'est ça. Nous, on était juste là, en fait, pour leur servir d'appât, quoi. Bah c'est ça. Parce que normalement dans une famille on abandonne personne. Et vu Ouais. comment comme ils t'ont abandonné comme des lâches, c'est sûr qu'ils n'allaient C'est ce pas qui est. t'abandonner au C'est chacal. ce qui a été dit le jour où j'ai fait l'entretien avec les Silver Guardians. Voilà. Le combat qu'ils mènent tous, honnêtement, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Maintenant, voilà. J'ai fait quelques sorties avec eux et je commence à. Voilà. Je me pose des questions. Je me demande vraiment est-ce qu'ils sont vraiment là pour faire autant de bien qu'ils prétendent? Jusqu'où ils sont prêts à aller? Il faut quand même que tu saches que hier, ils m'ont demandé si jamais tu nous t'allais nous trahir, si je serais prêt à te tuer. Ils m'ont demandé en gros, est-ce que tu irais jusqu'à le tuer ou est-ce que tu trahirais les Silver Guardians pour lui? Ah bah. Bah après, de toute façon, ça c'est, on va dire, c'est quelque chose de plutôt d'assez classique. Parce que, on va dire, comme ils ont su que tu me connaissais, etc., qu'on avait fait les 400 coups ensemble et autres, c'est pour savoir vraiment si t'es autant déterminé à la famille ou pas, quoi. Je pense que c'est un test, hein. Ouais, je suis déterminé, mais pas jusqu'à là. Alors bien sûr, je leur ai dit que s'il fallait, je te tuerais et que je vivrais avec ça, mais bon. On va être très franc que j'en pensais pas un traître mot. Non mais bien sûr,
veux dire que tu as dit ça pour justement pour pas qu'il se méfie de toi aussi. Donc, du coup, hier, je voulais au moins moi me démasquer devant toi, mais ils ont pas voulu. Et D'accord. bon, quelques temps plus tard, c'est Loba qui se démasque devant une marshal, donc j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Ouais, mais après, on sait même pas trop pourquoi elle a fait ça, hein. Mais parce qu'elles sont amies, elles sont très proches. Comme l'a dit Loba, Victoria, la marshal, c'est comme une sœur pour elle. Donc elle lui fait totalement confiance. Ouais, et du coup à ce moment-là, si elle se démasque comme ça devant une marshal, à ce moment-là aussi ils vont commencer à se méfier d'elle, je pense. Mais non, justement, le truc, c'est que c'est qu'il se méfie, il se méfie pas d'elle. Donc comme j'ai dit à Rita, vous méfiez bon d'Angelo, puisque on t'appelle comme ça. Ouais. Vous méfiez d'Angelo parce que lui et moi on se connaît. Vous vous méfiez, alors eux me disent que non, mais je pense que maintenant du coup ils se méfient un petit peu de moi. Et vous méfiez un petit peu peut-être de moi parce qu'au final on se connaît. Et à peine quoi, peut-être 1 heure plus tard. Vous encouragez Loba à se démasquer devant une marshal parce qu'elles se connaissent. Donc pourquoi est-ce que moi j'irais pas me démasquer devant mon ami? Donc comme a dit Rital, ça se fera. Maintenant, je te cache pas qu'en te faisant cette révélation ce soir, je risque ma peau. Bien sûr. Enfin, je risque ma peau. Faut que tu saches. Enfin, en fait, je l'ai dit qu'à toi, quoi. Donc, Ouais. bon, je te connais assez et je me doute que t'es pas assez cinglé pour aller les voir et leur dire que je t'ai révélé qui j'étais. Non, Après, parce que non seulement parce qu'à la fin, ça sera tous les deux qu'on ira dans une tombe, qu'on se fera enterrer dans une tombe inconnue, hein. bref, peut-être pas toi, mais bon, après, je me dis que, je sais pas, peut-être qu'au bout d'un moment, eux aussi, ou dévoiler leur identité, ou peut-être, je sais pas, ou enfin, faire plus ou moins, voilà, une gaffe pour qu'on sache quitter. Bon, moi, je te cache pas, moi, si je les ai rejoints, c'est parce que j'avais des doutes sur au moins 2 personnes qui étaient là-dedans. Et Ouais. bon, on va pas se mentir, j'avais rien à faire, je m'ennuyais, je tournais en rond, et du coup, je me suis dit pourquoi pas les rejoindre Ouais. et voir si voilà Ouais. si je pensais vraiment enfin, si je savais qui était vraiment Rital et Loba, et au final je m'aperçois que je m'étais pas trompé. Ouais, mais après, j'ai l'impression que c'est pas du tout le même style que la première fois qu'on avait rejoint une famille. Non, 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 bien sûr, c'est différent. Et puis bon, ils font Pour le moment, ils font parler. Pour le moment, ils font parler de Ambien, mais bon, voilà. Ouais. Alors ben moi, de toute façon, j'ai hâte d'être j'ai hâte de voir comment la tournure qui va se passer, quoi. Personnellement, voilà, je prends le risque de te dire. Donc voilà, c'est quand t'es là-bas, Chip, c'est moi. Ouais, bah écoute, ton secret sera bien gardé jusqu'à que. Et quand le jour où tu dévoileras, je ferai quelqu'un qui est très surpris de que ce soit toi, pour ça, il n'y a aucun souci. Oh non, mais je n'en doute pas. Je n'en doute pas. La preuve, c'est qu'au début, on s'est retrouvés là-bas tous les deux tout seuls. Seulement, bon, au final, c'est un peu merdé avec le rendez-vous. J'avais énormément de choses à faire derrière. Du coup, je n'ai pas pu me permettre de rester. J'espère que la prochaine Ouais. fois, ce sera mieux organisé. Ouais. Comment on fait pour toujours se retrouver dans des plans comme ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils peuvent me le dire? Ouais, bah. Il y avait une chance sur combien pour que ça se passe comme ça? Ah, bah écoute. Mais bon, On ceci n'est pas dit. fait, peut-être qu'on n'est pas fait pour ce métier-là. Hein. Ouais. Mais bon, ceci dit, je pense que ça te va bien d'être là-dedans. Pourquoi tu dis ça?
Ouais, parce que t'es un homme d'action, ancien réserviste, Ouais, c'est ça. et tout ce qui va avec. Non, Donc bah c'est pour ça oui. que plus tôt j'ai un fusil, mieux ce sera pour moi. Parce qu'on va dire, je t'avoue qu'avec mon double action, mon cattleman, Ouais, c'est non mais compliqué. ouais, je comprends bien, oui. Je comprends mieux maintenant pourquoi je dépense autant d'argent à l'armurerie. Ah bah. Non, moi je pensais que tu voulais acheter des armes pour te défendre, etc. Oh, pour me défendre, tu sais, j'évite de trop m'éloigner seul. Je suis souvent à la cotonnerie, petit endroit tranquille, ou alors suivant les endroits où je vais. Je suis avec les patrons à Blackwater ou donc voilà. Enfin bon voilà, tu sais tout hein, maintenant. Mais écoute, merci de ta confiance et de m'avoir révélé ta vraie identité. Ah, ben, tu sais bien. Putain, tu me l'aurais pas dit que t'étais là-dedans, toi, mon salaud. Ah, écoute, juste non, honnêtement, je pense pas que je te l'aurais dit, en tout cas, pas tout de suite. Parce que je voulais pas déjà, parce que je voulais pas justement que toi tu sois. Que tu sois concerné directement par tout ça alors que je savais pas du tout ce que tu y étais. Parce que le problème c'est que si je t'aurais révélé je t'aurais révélé mon identité, j'aurais eu peur de que voilà que ça sache à un moment donné ou une autre. Et que voilà qui t'arrive des broutilles derrière, qui veulent te mettre au silence, etc. Ouais, pas par moi en tout cas. Si ça avait été, si les choses se seraient passées autrement et que tu, enfin, que t'étais là-dedans et que moi non, enfin, je serais pas allé révéler ta vraie identité. Au contraire, ça m'aurait peut-être même encouragé à vous rejoindre. Ouais. Ah, peut-être, écoutez. Faut bien mourir de quelque chose un jour, écoute. Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ah, bon, tu sais que je préférais mourir dans le lit avec une femme à 80 balais que me prendre une balle, mais mais je préfère Écoute. me prendre une balle que de mourir que je veux. Je préfère mourir au combat que me faire que mourir en étant mordu par un serpent ou me faire tué par une balle par derrière, quoi. Ou par des loups. Ou par des loups, ouais. En plus, j'ai cru que mon cheval était mort tout à l'heure dans la forêt. Mais en fait, non, je l'ai retrouvé comment ça s'appelle? Dans le ranch d'Emerald. Ah, Je sais pas comment mais il s'est retrouvé là-bas, mais en tout cas, il m'avait l'air en forme, ouais. bah écoute, c'est pas compliqué. Il vient de là-bas, donc s'il a pris peur, tu sais ce qu'on dit, que les chevaux, ils retournent souvent à l'endroit d'où ils viennent, ou Ouais. qu'ils retrouvent leur maison d'eux-mêmes. Ouais, un peu comme Donc les chiens, bon, quoi. suivant où ça t'est arrivé, peut-être que ouais, peut-être que d'instinct, il est retourné. Et Ouais. retourner au ranch Emerald. Ouais, après, ouais, c'est ça, c'est que en plus j'étais pas très loin de au-dessus, on était pas j'étais pas très loin au-dessus des montagnes au-dessus de Blackwater. Ouais, non, t'as eu de la chance. Ouais, ah bah oui. Enfin bon, voilà, écoutez, à voir où tout ça va nous mener. Je Ouais. t'avoue que je commence à être assez méfiant envers eux. Est-ce que c'est à cause je sais pas, de leur réaction ou je sais pas ou Mais je vais après, d'un pas autre dire. côté, hier, ils t'ont quand même confié une mission hier. Bon, du coup, en soi, c'est-à-dire qu'en soi, ils ont quand même pris le risque de te tester, etc. Mais et si j'avais échoué dans la mission, qui te dit qu'il m'aurait pas tué? Ouais. Mais à ce moment-là, si t'aurais braqué et tout, là j'aurais braqué Rital. Hein. Ça, c'est hors de question quand te tire dessus, quand te tue Ben comme ouais, mais à ça. ce moment, ben oui, mais à ce moment-là, tu savais pas que c'était moi, donc tu aurais rien pu faire. Ouais, c'est sûr. Enfin, moi, écoute, à voir, mais je
Je méfie un peu, je. Au vu des tournures que les choses prennent, voilà, je reste sur mes gardes. Ah bah, de toute façon, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Parce que voilà, je. C'est surtout que, bon, je. Voilà. En dehors des Silver Guardians, je vais pas te mentir que ben, c'était avant tout des amis, quoi. Et bon, ouais. Quand je suis rentré dans les Silver Guardians et qu'ils se sont tous démasqués devant moi, je te cache pas que je suis tombé des nues, oui, non. Pour certains, oui, mais il y en a deux pour lesquels j'avais des soupçons. Mais bon, uniquement des soupçons. Ouais, j'étais pas sûr de moi. Ouais. J'étais pas sûr de moi, donc. Donc, oui, au vu des tournures que les choses prennent, voilà. Pour moi, il y a plusieurs choses qui font que. Je vais me méfier, je vais avoir du mal à leur faire confiance. Déjà, pour une chose, bon. Enfin, après qu'elle se soit démasquée devant Victoria, bon, c'est pas quelque chose qui me choque plus que ça. Je m'attendais pas à ça, mais bon, comme j'ai dit à Rita, si elle peut se démasquer devant son amie qui, malgré tout, reste une marshal, ouais. Pourquoi est-ce que moi je pourrais pas me démasquer devant mon amie, tu vois? Alors que moi je suis pas ni marshal, ni shérif, ni quoi que ce soit. Voilà. Et c'est surtout que ben, hier, quand j'ai demandé à Rital de faire un compte rendu de la soirée, le problème c'est que, ben, enfin, t'as dû le remarquer au début, il nous a vraiment expliqué la très grande ligne. Et pour le reste, il voulait pas nous en parler. Et c'est Pampan qui lui a dit non, non, mais attends, on est une famille, on doit tous dire. Mmh. Mais s'il n'y avait pas eu Pampan, Rital nous aurait caché le fait que Loba se soit démasqué devant la Marshall. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange, tu vois. Parce que il me l'a assez bien dit le jour où j'ai fait l'entretien. Tu fais partie des nôtres, on est une famille, on se dit tout. Et là, il était prêt à cacher ça. Alors, au pire des cas, s'il n'avait pas voulu le dire devant toi... Il aurait pu te demander de te mettre à l'écart ou il aurait pu me prendre à part comme ils font assez souvent. Ouais. Donc voilà, de toute façon, j'ai envie de voir comment ça va se passer, jusqu'où cette histoire va nous mener, mais je vais rester sur mes gardes, tu comprends. Ouais. Mais moi, je t'ai dit juste une chose. Le jour où on risque de se faire tuer par les Silver Guardians pour X ou Y raison, c'est hors de question que je me fasse buter. Hein. Je prends le bateau, le premier bateau, et on se casse du pays. Hein. Et je t'embarque avec moi de force. Hein. Ah bah écoute, j'espère qu'on n'en arrivera pas, jusque-là. Ouais. Mais bon, enfin, si ça se passe bien, que ça continue à se passer comme ça le fait tous les soirs, il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison. Pas de raison, mais voilà. Je me sentirai peut-être mieux quand ils se seront démasqués dévoilés devant toi. Là, ça sera vraiment signe qu'ils te font confiance. Ouais, et qu'on peut leur faire confiance. Ouais, je serai peut-être un petit peu moins sur mes gardes, mais bon. Ouais. Je regarderai toujours quand même un petit peu par-dessus mon épaule. Au cas où, tu comprends, on sait jamais. Ah, bien sûr. Pour ça, c'est tout à fait compréhensible, ouais. Enfin, bon, voilà, sache que quand t'es là-bas et qu'il y a Chip, bon, mais j'ai un petit œil sur toi quand même. Ah, t'es en quelque sorte mon ange, quoi. Mon ange gardien. Ah, j'irai peut-être pas jusque-là, mais ça marche. Mais écoute, mon petit Jackie, je vais aller me coucher, moi. Eh bien, écoute, je vais y aller moi aussi. Et j'ai dit bonne soirée et j'ai dit à plus tard. Eh bien, écoute, à plus tard. À voir ce que tout ça va nous réserver. Ah, bah, comme on dit, je sais plus ce qu'on dit. Comme on dit, le lendemain, c'est une nouvelle journée, quoi. Ouais, voilà, oui. Bon, bah, écoute,
Allez, à Passe plus. une bonne nuit. Toi aussi, salut Chip, Jacques. Et voilà, petite soirée terminée. Encore plein d'aventures, plein d'actions. Et je vous dis une bonne soirée. Je vous dis à plus. Salut, ciao, ciao.